Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour l'entrée à la CAO pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtien. Jeudi, c'est jeudi 29 août 2024. Moi, c'est Jacques Lambélizère, avec un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale aux États-Unis, candidat de principal parti pays a continué à mener campagne pendant que sondage sur intention vote montré un course très serré entre vice-président Kamala Harris et ancien président Donald Trump. Région Moyen-Orient, deuxième jour opération mortelle l'armée Israël dans Cisjordanie, bilan au moins 16 moun mouri dans tout le carême. Et puis dans le pays d'Haïti, gouvernement recevra matériel dans Taïwan pendant une cérémonie qui déroulait jeudi 29 août 2024. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment jeudi c'est jeudi 29 août 2024 et c'est anniversaire Cavalier Paul Canoz ami nous collaborateur nous Jean-Robert Philippe. Et nouvelle qui fait tomber là c'est que Haïti qui était victime en bas mais garde national en bas pont Del Rio en 2021 il était retourné dans tribunal jeudi à dans Washington pour demander réparation pour demander justice. Science la fait sorti là sans que la justice pas prend yon décision et nous t'ai sous place Jean-Robert Philippe. Et spectateur de la Valle d'Amérique, moi c'est Jean-Bert Philippe Castral, nous, depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC, nous devant tribunal et dans district Columbia, côté que parti qui était porté plainte contre le gouvernement américain n'a parlé immigrants haïtiens que et soldats ou bien encore garde national état Texas était calé bien calé et en bas pont Del Rio en 2021, et bien côté que un tribunal a prétendu une autre fois encore ou est-ce que Kaiwa méritait attention. Alors ça qui passé depuis les incidents de passé et donc Haitian Vigilance avec quelques autres entités cap défendre immigrants ben ont porté plainte contre le gouvernement fédéral là pour rendre l'administration américaine responsable ça qui est passé et également avec état Texas pour rendre responsable ça qui est passé avec immigrants. Alors c'était en pile là-dedans c'était immigrants haïtiens que gendarme Sayo qui était sous cheval et ben était calé bien calé avec coup de rigoise pour parce que était justement en bas point côté de tant petit capable rentrer aux États-Unis pour demander asile ou bien encore demander protection. Et bien les gendarmes ont quoi payé avec coup de frais de cash. Et bien haïtien ça qui était victime, il y a là qui était entré aux États-Unis mais puis fois là-dedans yo, yo était pimpé retourner la caillou en Haïti ou bien refouler encore dans au Mexique. Donc c'est comme ça Haitian Vigilance avec l'organisation qui porté plainte. Et bien plainte ça en premier temps tribunal a tendé dossier mais et tribunal a pas de bonne réponse dans le moment, il était et mandé parti concerné pour te retourner au tribunal encore et quitter bay plus temps pour te permettre que victime yo l'autre victime vienne ajouter non sur l'histoire comme plaintif. Et bien c'est comme ça que tu fais ça et bien donc le fait que tu fais ça mais gouvernement lui-même ça l'a cherché pour tribunal avoir jeté cas comme c'est que cas pas gain mérite encore il pas gain raison pour autant délit pour chercher bay victime yo plaintif alors que et avocat yo ensemble gagne à chercher justice avec réparation pour ça qui était passé dans l'époque là en 2021 en bas pont Del Rio dans l'état Texas. Moi c'est Jean-Bert Philippe qui devant tribunal là et pour VOA Creole. Merci Jean-Robert Philippe, docteur Tako nous t'ai dit en commencement programme et ben c'est que science la fait fini là mais pas gain une décision qui prend sous Aïssé Sayo qui était victime en bas pont Del Rio au Texas en 2021 et ben yo même yo t'es allé pour demander justice avec réparation donc pourquoi gagner qui sorti dans le tribunal et Jean-Robert Philippe est sous place très naturellement là pour parler avec quelques acteurs quelques dirigeants qui gagne rapport avec cause ici là. N'apprêtez toujours ici aux États-Unis pour nous parler de élections, c'est fièvre électorale ici aux États-Unis côté candidat de principal parti qui prend dans élection 5 novembre, yo, et ben yo même yo continuer à mener campagne. Nous pour rejoindre Valérie Saint-Louis. Été 2024 ça après rentrer dans l'histoire américaine comme une dans saison qui pire rempli avec événements politiques inattendus et puis en pile surprise. En allé ouais événement qui t'est passé yo. Tout bagaille était commencé dans le jour 27 juin ça. L'ESA, ancien président Donald Trump et président Joe Biden, t'est rencontré dans l'État Atlanta pour un débat. C'était un moment critique dans ça que c'était analyste relais débat revanche entre deux candidats. Performance Joe Biden dans le débat était très faible avec un pile mamotement. Il t'a bité sous moli. Il y a deux moments, il t'a crampé le papalé. Il t'a paraît gêné. Tout bagaille ça, il t'a alarmé démocratio. Et puis augmenté doute sous capacité Joe Biden pour battre Donald Trump dans l'élection novembre.
Nathan Lynette, qui son thérapeute, réagit à ça. It was really hard to watch. Il était vraiment difficile pour me garder débat. C'est encore moi qui voulais courir faire mes télévisions. Mais moi quand même prends balle moi au front. Trevor Borden, un entrepreneur technologie, te réagit tout le ça. Ça c'est une course retourné derrière qu'a fait là. Hier soir, c'était un débat entre un zombie contre un imbécile. Mais Joe Biden, ensemble avec l'équipe campagne, a dit que c'était juste une mauvaise nuit. Et il t'a insisté que t'a poussé pour pied devant à campagne. Moi, je pas marcher aussi bien que moi, tu connais marcher avant. Moi, pas parler bien tant que moi, tu connais faire avant. Moi, pas débattre aussi bien que moi, tu connais faire. Mais moi, connais ça, moi, connais. Moi, connais qui j'en pour me dire la vérité. Après ça, c'était date 13 juillet, dans le quartier Butler, État Pennsylvanie. Un assassin t'a ouvert une cartouche balle tirée sous Donald Trump pendant un rassemblement campagne. Un cartouche t'a frotté bonnes oreilles, ancien président, et assassin t'a tué un monde dans la foule là. Tentative assassinat, t'es fait nation saisie, et l'y t'es remetté dévanger tout le monde, menace violence politique yo. Renny White, qui ton témoin laisse ça, t'es parlé. You know, when I was standing up yesterday, and everybody was telling me, sit down. Ou gonne, l'aime t'es campé, et puis tout le monde t'es dit m'chita, moi t'es un coup paralysé. Et moi t'es dit tête, moi, si pour m'prendre une balle, moi t'as content prendre pour nom ça. C'est lui qui campé pour nous. Deux jours après tentative assassinat, ça, Convention nationale Parti républicain t'es commencé dans Ville Milwaukee. Pendant que l't'es accepté nomination officielle pour candidat à la présidence, Donald Trump t'es parler de jour ça, ça qui t'est passé dans Pennsylvanie. It can only be a bullet. C'est un cartouche pour tailler. Et puis moi t'ai déplacé, mais moi dans oreille moi. Mais moi t'ai couvri accent. T'es gué sans tout côté. Et puis, vin tombe kounya là, dans date 21 juillet. En bas pression qu'a monté dans mi-temps démocratio, Joe Biden t'est prêt à annoncer que l'ité mette fin dans intention li pour continuer campagne là pour réélection li pour un deuxième mandat. Devant Maison Blanche, yon foule moun te vin bal sipo, et te gen l'autre moun ki yon même te vin juste gade, ça que t'as pral passé. Président Joe Biden. I've given my heart and my soul to our nation. Mwen bay nation, like tout kem ak nan mwen, tant kou anpil l'autre moun. Mwen te béni yon million fois et tout. Joe Biden après ça te mette si poli derrière vice-président li Kamala Harris pour le prendre mariette la face avec Donald Trump. Ça qui te déclenché yon réveil ak anpil énergie dans parti démocrate là. Et c'est comme ça que après ça Kamala Harris t'est venu participer dans la convention nationale Parti démocrate là dans Chicago côté que t'est accepté officiellement nomination parti a pour candidat à la présidence. Let's get out there. Let's vote for it. On sorti met quoi nous dehors. On goumen pour lui. On vote pour lui et puis ensemble on écrit prochain gros chapitre dans histoire qui pi extraordinaire qui t'est jamais raconté a. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc c'est un chapitre électoral là dans chaque programme nous avons un chapitre électoral parce que quand il y en a vivion fièvre électorale ici aux États-Unis et intention de voter montrer que pral gagner une course serrée entre Kamala Harris avec ancien président Donald Trump et d'après nouvelle Kamala Harris avec Tim Walz il y a gain pour yo bay yo interview à la chaîne télévision CNN. Nap et l'autre point d'actualité à conseiller sécurité nationale Jack Sullivan saute visiter la Chine côté le tap essayer améliorer relations américano-chinoises là. Sandra Lemaire gain détail. Conseiller sécurité nationale États-Unis Jack Sullivan clôturé visite 3 juillet dans la Chine. Visite là, t'es gain comme but pour qu'un peu communication ouverte à un pays qui était dans 10 années avec États-Unis pendant l'année qui passait. Sullivan a fait première visite là dans la Chine en tant que principal conseiller président Joe Biden sous question sécurité nationale. Puis bonheur dans la journée, hein, il était rencontré président de la Chine, Xi Jinping, ministre des Affaires étrangères Wang Yi, avec un général replacé Commission militaire centrale, la Chine. President Biden has been clear that he is committed to maintaining. Le président Biden dit clairement qu'il prend engagement pour maintenir une relation importante ça en façon responsable. Objectif nous chaque fois nous engager avec la Chine c'est pour des résultats pour peuple américain. En bas leadership président Biden, États-Unis pourra continuer à avancer intérêts à principes li et puis protéger pays en mille. Normalement, n'a fait ça nous quoi compétition avec la Chine, pas obligé de déboucher sous conflit ou bien confrontation. Cléa s'est géré de façon responsable à travers diplomatie. États-Unis avec la Chine dos à dos sous diverses questions, sorti depuis sécurité globale, pour arriver dans la mer sud-chinois, politique industrielle, automobile électrique et fabrication panel solaire.
Visite Sullivan n'a visé empêcher tension Sayo qui était en main en 2018 augmenter et puis tourner en conflit tout bon. Xi, bon côté pali, soulignait que le monde n'a a fait face à grand pile changement et turbulence et qu'il a besoin de solidarité à coordination, pas confrontation. Les ajouter, moun vle transparence et progrès, pas exclusion et politique qui pas à la mode encore. Tous deux gouvernements yo vle kembe relation yo nan niveau équilibré avant changement présidence États-Unis nan mois de janvier 2025. La Chine ak États-Unis di yo prend engagement pour maintenir relation yo et puis rapoursuivre rencontre Xi avec Biden te fait nan San Francisco nan mois de novembre année passée. Deux pays yo d'accord pour travail pour organiser un appel téléphonique entre Xi ak Biden nan semaine kap vini yo et Sullivan indiqué deux leaders yo ta capable rencontrer en personne face à face pendant sommet coopération économique Asie-Pacifique là kap gen participation 20 pays Pita Anessa. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Avant de quitter l'actualité haïtienne aux États-Unis, nous avons dit que le groupe immigrants haïtiens que le garde national est calé en bas pont Del Rio au Texas, et bien, il est retourné aujourd'hui dans le tribunal dans Washington, D.C. pour demander justice à réparation pour insulte qui était passée en 2021. L'administration a demandé tribunal là pour voyer jeter demande immigrants qui paguent mérite d'après ça envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe fait nous connaître n'a pas aller dans région Moyen-Orient en pile monde continue mourir dans Gaza pendant deux opérations l'armée Israël menée dans tout le calme et dans Jenin nous dans Cisjordanie pendant temps ça ministre Union européenne yo réuni pour un chita parler sur ça qui passé dans Moyen-Orient détail avec Gentil Augustin Junior. L'armée israélienne dit jeudi 29 d'août 2024 là que troupes liyo touye 5 combattants palestiniens qui étaient cachés en dedans yon mosquée dans Tolkam dans Cisjordanie. Nous t'ai dormi et puis nous levé en bas coup de zam vers 3h30 matin. Moi t'ai réveillé madame moi pour dire l'armée a tiré sur Kaila. Nous t'ai couru à l'autre chambre là, yo t'ai lancé yon roquette. Petit garçon ak madame li te nan deuxième étage là yo frapel ak yon roquette et puis Kayla te krasé plat à terre Kay prend di fe pendant yo continue ap tire roquette sou li nou pat konnen côté pour nous aller opération an, qui d'après yon témoin Waters poko fini te commencé nan premier aide temps yo nan mercredi ak plusieurs troupes l'armée Israël la ki te gen hélicoptère drone ak machine blindé ki attaque ville Tulkam Jenin ak Valley Jourdain pendant temps ça ministre affaires étrangères Union européenne yo rencontré nan Bruxelles jeudi 29 d'août 2024 la pou yon chita pale ki pa officiel ki concentré sou la guerre nan Ukraine ak Gaza et puis tout sous élection en Venezuela, Annalena Baerbock, ministre affaires étrangères allemand dit. Yon suspend tiré pour raison humanitaire dans Moyen-Orient, puis nécessaire kounye ya passe toutes les. Quant à pour otage qui toujours en bas main Hamas, li difficile pour imaginer ça. Li difficile pour konnen si moun pau ki en otage nan Gaza vivant toujours. Suspend tire humanité ça nécessaire tout pour 2 millions résidents yo nan Gaza. Avant réunion un pile gros diplomate union te exprimé tout inquiétude yo concernant situation nan Gaza. Yo mandé yon accord pour suspend tire et puis la guerre otage yo. Même gens tout quelques parents otage israélien manifesté pour mandé gouvernement Israël là dégager le koumet Jean-Jacques fait otage retourner la caillou. Jill Dirkman, ses cousins otage israélien Carmel Gate, lui dit si Netanyahu pas arrivé joignon accord et puis la gué otage laisse ça nous pral la gué yo nous ap vini pour la gué yo famille otage israélien yo qui nan Gaza manifesté tout près frontière ya jeudi 29 d'août 2024 là
pour mande yon accord qui a bay garantie pour la gè otage yo. Groupe la te pote photo ak chemise ki marqué ak penti rouge et yo te rassemblé nan kibbutz Nirim nan sid Israël. Environ 2 km ak frontière ya. Yo te commencé lancer message l'amour ak sipò pendant yo t'ap parlé en face frontière Gaza. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Ou toujours sous VOA Creole, ou ap suivi yon programme nan langue créole haïtien. L'autre point nan actualité internationale là, nan pays Ukraine, yon groupe moun te rassemblé sous place Mikhail Livaska pour un hommage nan mémoire soldat qui était tombé sous champ de bataille. Eh ben, cérémonie ça a déroulé en présence magistrat Villa Vitali Klitschko. Jou sa marqué 10e anniversaire bataille Ukraine là aussi. Nous voulons parler de guerre Ilo Vaiskla, jodi 29 août là côté que eh ben moun yo te vini ou tant qu'on capable là yo pote fleurs et yo pote des un paquet de pièces que yo mette dans engin militaire donc ça son façon pour te eh ben honorer mémoire soldat sa yo qui te mouri dans guerre ça et tant qu'on dit déjà il était cérémonie déroulée en présence Vitali Klitschko qui c'est magistrat Villa. Et puis yon l'autre côté pendant ce temps eh ben gagné deux patio qui intensifie attaque Ukraine dit la Russie te fait yon gros attaque aérien sous li pour yon troisième fois dans 4 jours yon lancé missile ak drone que yon même yon te intercepté quelque là-dedans Ukraine dit jeudi a force russe te tiré 5 missiles et lancé 34 drones. Et puis Ukraine bon côté pas li mené tout attaque et ben yon vidéo l'armée montré Ukraine cap lagi grenade sous force russe dans région Kursla. Faut dire que agence Reuters pas de gagner et précision sous exactement côté ça arrivé mais elle nous capable vidéo ça cap monter Ukraine cap lagi grenade sous force russe. Ou souvé ou créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien pas déplacé actualité à dans pays d'Haïti. Dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VOA Creole alors que la présenté un programme dans langue créole haïtienne. Actualité à concernant le pays d'Haïti, ambassadeur taïwanais Web Jang Ku remet un lot équipement sécurité individuelle à premier ministre Gary Kony pour la police nationale et l'armée d'Haïti. Steven Aristil est présent pendant la cérémonie ça. Ambassadeur pays Taïwan en Haïti Web Jang Ku a organisé une cérémonie côté l'été remettre un lot équipement sécurité individuelle avec premier ministre Gary Kony pour police nationale avec force l'armée d'Haïti. Dans cadre d'activité si là ambassadeur a fait connait équipement ça fabriqué selon besoin policier avec soldats l'armée d'Haïti yo kit ça organayo casque balistique gilet pare-balles genouillère tactique poche pour mettre chargé cagoule gants qui très résistant avec lunettes protection. Individuelle destinée à la PNH et à la FADH. Je suis confiant qu'avec ces équipements médicaux. Toujours dans le pays d'Haïti, eh ben, trois conseillers qui impliqués dans scandale et corruption BNCA y répondent à question ULCC parallèlement CARICOM mandé pour ta mettre sous côté pendant une réunion avec secteur. Reportage Yves Manuel, début Port-au-Prince. Ministère Justice et Sécurité Publique voulait joindre liste complète personnalité haïtienne qui sanctionnait bon côté pays étranger yo. Les mandé tout preuve et indice qui capable justifier sanction ça yo. Correspondance pour mandé information ça yo déjà à joindre ministère affaires étrangères à qu'il dans l'idée pour le transmettre yo by ambassade pays concerné yo. N'a pas rappelé pays les États-Unis, Canada et République Dominicaine, c'est parmi pays qui imposent sanctions à membres élite économique et politique pays d'Haïti.
Dernière personnalité, pays les États-Unis fait sanctionner, c'est ancien président Michel Martelly pour question drogue et parrainage activité criminelle. Liste complète personnalité qui sanctionné yo doit gagner là-dedans tout et charge avec preuve qui justifie sanction yo selon dirigeant haïtien yo. Initiative ça bon côté autorité haïtienne yo inscrit dans une démarche suivi national dossier selon information VOA créole joigne souterrain. N'a pas rappelé que premier ministre Guy Koni t'a encouragé ministère de la justice pour mander information claire sur dossier sanctionné yo bon côté pays qui prend sanction yo. Chef gouvernement t'a fait déclaration ça pendant une visite semaine passée dans nos pays. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA créole. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti et pour nous parler de activité électorale, eh ben, conseil présidentiel transition, Paris Vekembe, date 28 août là, l'été bail pour mettre campé conseil électoral provisoire à cause majorité sectorieux. Poco Antonio pour voyer un représentant dans l'institution. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Conseil présidentiel transition n'a pas respecté date 28 août 2024 là, comme date limite. L'été bail pour former conseil électoral provisoire à cause majorité sectaire pour qu'on transmette non représentant yo par rapport à division qui existait dans mi-temps yo. Sous 9 secteurs jusqu'à mercredi 28 août 2024 là, c'est seulement 3 qui déjà transmettent non représentant respectif yo, l'église catholique, la presse et secteur douamoun nan. Secteur syndical haïtien, ça s'est conclu tout. Sous yon seul nom, met sa nom Nimrod, sauf que groupe professeur Josué Mérilien dit faut ta gen plus consensus sous choix ça. Pour l'autre secteur yo, tankou vodou, défense droit femme, ak protestant yo, yo tout voyé deux noms, by Kapetea. Mais, selon Kapetea, yo doué entendre yo sur yon seul nom. Frenel Joseph, qui se responsable cause ça au niveau conseil présidentiel transition, dit le regret en pile d'être ça pas respecté. Li encourager secteur qui pour cas entendre pour yo assumer responsabilité yo dans cadre formation institution électorale cap gain comme principale mission organiser référendum qui lié à révision constitution à organisation élection générale yo dans pays d'Haïti pour renouveler personnel politique là à remettre campé institution démocratique yo. Conseil présidentiel transition te bay secteur impliqué yo jusqu'à 26 août passé ya pour te transmettre non représentant yo pour qu'APA te capable mettre en place 28 août 2024. En pile citoyen attend yo à ce que autorité yo réunit conditions appropriées pour mettre campé structure électorale là avant 1er septembre 2024. D'après ça yo dit chaque jour compté sous cause ça puisque élection a important en pile pour que 7 février 2026 yon président élu prend maïd là j'en sa prévoit dans accord 3 avril 2024 là. Renan Toussaint pour VOA créole Port-au-Prince. Dans moment n'a parlé là dans Liga qui s'est championnat première division espagnole là et ben Las Palmas a mené 1-0 sous Real Madrid. La retourner dans l'actualité a concernant le pays d'Haïti, Ofatma profiter de 57e anniversaire création pour inaugurer un nouveau centre urgence moderne dans Cap-Haïtien, deuxième ville pays a Gérard Maxino. Inauguration centre hospitalier ça réalisé mercredi 28 août 2024 en présence plusieurs invités de marque parmi eux ministre Affaires sociales là Georges Wilbert Franck, écrit général ministère ça Marie Erol Michel DG Ofatma, Dr. Carl François, et magistrat en après Ville Cap-Haïtien, Patrick Almonor. Monsieur Almonor déclaré, Ville Cap-Haïtien te gen besoin yon centre hospitalier moderne. Magistrat souhaité, centre ça bien géré. Aujourd'hui, avec la construction de ce centre hospitalier moderne, je veux dire sur le plan sanitaire que le public peut concurrencer le privé en termes de disponibilité du service. Aujourd'hui, l'inauguration de ce hospitalier moderne coïncide directement avec la vision que vend la municipalité capoise. À un moment où le Nord est considéré comme une destination. Et comme destination, la gestion sanitaire doit être une priorité.
Nous n'avons pas qu'à parler de destination si par un hôpital qui a reçu pour accueillir. Là où mon problème, si on a des dérangements, si on a des problèmes qui parlent, il faut qu'on côté qui descend, qui va reçu pour ça va aller venir, qui va finir la fois. Selon le directeur général OFATMA, Dr. Carl François, l'hôpital ça a déjà gagné 20 chambres qui disponibles sur 60 et pour le bail service, pédiatrie, chirurgie, médecine interne, maternité, orthopédie, radiologie et dialyse. Je suis en première phase de l'hôpital qui aura normalement 60 chambres à son terme. Nous sommes en train d'inaugurer les 20 premières chambres, okay, et les différents services qui vont être fournis, okay, non seulement aux assurés, mais à la population du Nord en général. Donc on a modifié l'ancien nom, ce n'est pas uniquement un hôpital pour le Cap-Haïtien, mais c'est un hôpital pour le département du Nord, qui est en train de, d'avoir un essor économique extrêmement intéressant, et qui mérite justement un hôpital de ce niveau. Donc ce que je dirais, c'est ce que plusieurs États disent, que c'est un hôpital de niveau international. Ministre Affaires Sociales et Travail, Georges Wilbert Franck, explique au FATMA gagne pour mission bay meilleure qualité soins santé à moun qui assiré, mais tout à sa yo qui pas assiré. Nouveau hôpital au FATMA sa nan ville Cap-Haïtien gagne 19 chambres, des salles opération avec équipement moderne, yon bloc maternité pour bay femme enceinte ak ti bébé la soignage, li gen tout 4 salles consultation ak yon laboratoire. Inauguration réalisée même jour anniversaire au FATMA qui c'est 28 d'août. Institution sa a gen 57 années depuis li créé dans pays d'Haïti. Jira Maxino Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxino, nous pratiquement arrivé dans fin programme là. On va aller d'abord n'a rappeler quelques grands points cap dominé actualité a. Et ben candidat de principal parti et dans ici aux États-Unis, et ben yo mené campagne et sondage sous intention vote ont montré que pral gagner yon coup serré ou bien gagner déjà yon coup serré entre ancien président Donald Trump et vice-président Kamala Harris. Et puis dans la région Moyen-Orient, deuxième journée opération l'armée Israël dans Cisjordanie, bilan au moins 16 monde perdu la vie surtout dans tout le Karem dans Cisjordanie. Et puis dans pays d'Haïti, gouvernement recevoir matériel dans mais Taïwan pendant une cérémonie qui déroulait jeudi 29 août là. Et puis ici aux États-Unis, un groupe migrant haïtien et garde nationalité attaqué était calé dans Pont Del Rio en 2021, il était retourné jeudi encore dans tribunal dans Washington pour demander justice à réparation. Et ben décision c'est que administration mandé tribunal là pour voyer jeter et demande migrants qui paguent mérite. Donc tribunal la sorti sans que pas vraiment prend une décision sur cas. Nous te gagne sous place Jean-Robert Philippe qui lui-même la gagne pour présenter nous encore l'autre détail parce que te gagne sous place tout responsable Asian Bridge Alliance qui était présent dans rencontre là. Et puis dans football, surtout dans championnat dans Liga qui c'est championnat première division en Espagne, et bien d'abord gagne Jérôme Capmené 4-0 sous Osasuna, et puis gen Las Palmas li même l'a mené 1-0 sous Real Madrid. Et ben gen pile moun ki commencé critiquer Kylian Mbappé qui depuis Liga a commencé monsieur pas vraiment bay anyen nan gad la li poko marqué bien que yo retiré Super Coupe d'Europe là côté que monsieur te fait yon goal nan victoire 2-0 Real Madrid là, mais pendant ce temps monsieur pas bay nan gad la nan Liga poko marqué yon grand goal. Donc ce match que sur vous parce que match a li poko fini ni match et Osasuna poko fini. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Pablo jodi a son grand jour pour nous pour service créole là parce que n'a célébré yon ami, yon frère, yon collaborateur, yon infatigable. N'a parlé de Jean-Robert Philippe alias Jean-O, son nègre qui infatigable, qui toujours sous travail. Eh ben il faut le faire, nous saluer et nous dire que nous remen en pile et nous souhaiter tout ça qui bon pour lui et nous grand pile surprise pour lui. Eh ben Kevela Palagé, surtout dans nos services que là et dans nos chefs de service là, Sandra Lebert. Moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.
mettez avec conseil présidentiel yo, avec DG Ramon Amil, y a toute disposition pour capable mettre policiers yo dans conditions de travail. Ça veut dire qui ça? Mettez prime de pour yo et prendre engagement, prendre décision pour que yo capable permettre que et yo rivé les policiers ou amener de opération, les policiers ou faire de action et à l'opération, mais si yo victime, mais si yo ta mouri pour capable accompagner et policier famille policier ça yo. Et n'a petit désir, PM Gaïkoni clairement dit que ouais pas ouais l'état a reprend contrôle pays. Ouais pas ouais l'état a reprend contrôle pays. Ouais pas ouais l'état a reprend contrôle pays pour une capacité PM Gaïkoni. Malheureusement désir Venesse, dans journée qui mercredi 18 août là, la police a gagné une victime, c'est policier Michel les mêmes Pierre qui les mêmes tombé en bas balbandi dans Delma 75 rue Cassayol 12 prolongé dans Catalpa bandi touyeli que on va arriver identifier et policier qui dans machine privée et qui était en uniforme que bandi au vide balle sous lui et dans constat juge de paix mais qu'il est pas 13 impact à cartouche que joigne sous machine policier là Désir Venesse et n'a dit moment n'a parlé là situation compliquée dans Crécier qui côté Bouba passé qui côté bébé Bougoy passé, qui côté Kilibouy passé, qui côté barbecue en un moment, qui côté Kempessi en un moment. C'est un pile mobilisation qu'a fait Désir Venesse, bagarre très compliqué. Mais Désir, moi c'est certain que j'ai des informations sur une opération de la police menée 27 là dans Bel Air. Très bien. Blaise Peterson gagne divers militaires qui dans l'armée d'Haïti, gagne divers policiers qui dans unité spécialisée, qui parlait avec nous Blaise Peterson. Yo dit nous pas innocent dans Bel Air. Parce que toute population a rangé, y a tiré bouteille à coup de roche sous policier dans le moment où t'a mené opération. Je veux dire, Blaise Peterson, organisation qui a défendu droit moun yo. Yo besoin prendre note de ça. Si population a rangé, y a tiré bouteille, y a tiré roche, y a tiré cocktail Molotov sous policier pendant y a mené opération, eh bien yo ces soldats dans gang Kekempes a dirigé en dedans Cité Soleil là. Et différent l'autre chef gang qui en dedans Blaise Peterson. Pour de quoi? Les la police fait travail, les militaires fait travail, pour pas gagner organisation de la monde qui pral dénoncer, qui pral empêcher police fait travail dans situation fragile qui est là. Je dis à les gens qui disent que belle, c'est pas sous pression. Bon, dis à pour tirer coup de roche, pour tirer coup de bouteille, pour tirer cocktail Molotov sous policier. C'est responsabilité ou tout plan, ou tout dit automatiquement, ou c'est membre actif, gang yo. Militaire plein en pile de ça. Jodi, y a sibi de sa yo, kan pile nèg ki gen gwo voix nan presse traditionnel la, ki konnen situation ki pa dénoncé. Mais pou se yo même, ensemble moun Cité Soleil yo, pral gen la presse ki pral parler pou yo. Comme yo parle ak nou, Blaise Peterson, nan Mesak Nouvelle, Blaise Info, Pan Nouvelle, 24 Bas Info, Racine Nouvelle Haïti, yo kwè ki a fon travail ki san pareil, ak tout équilibre sans force côté. Eh bien, vous partagez avec nous, nous attirer attention, organisation qui défend droit moun yo, nous attirer attention, l'autre confrère yo, si vous pas connaît, ça a qu'à passer dans Cité Soleil pendant que les policiers yo a mené opération Blaise Peterson. Pierre Espérance, qui t'a parlé sous Magic 9, 28 d'août 2024, là, eh bien, il dit qu'il y a une nécessité pour Haïti réviser, caloter opération ou bien coopération qu'il y a fait avec les États-Unis dans le domaine bataille contre cartel drogue qui a alimenté en dedans pays qui rend que situation très difficile. Li dit corruption à crime organisé en dedans pays a li important pour Haïti tant que Colombie gagne en coopération qualité défense avec les États-Unis dans bataille contre cartel drogue et considération que essayer donc regarder et qui mal que cartel ça la cause société a prendre des situations très difficiles. Pendant après c'est donc regarder si on cap prendre sanction contre Michel Joseph Matéli selon Pierre Espérance bagalal plus loin que ça Blaise Peterson yo doit arranger parce que c'est un enchaînement criminel yo fait pour affaiblir la justice pour affaiblir force de l'ordre et bien pas un garçon avec femme honnête je dis que vous tendez dans un scandale dans ça qu'il y a avec question corruption RNDDH continue dans question scandale Blaise Peterson. RNDDH déploré absence la justice sorti dans année 2021. OK? Dans cas Magali habitant ça qui gagne pour avec champ affaires financières dans cour supérieure des comptes dans litige qui gagne dans ça qu'il y a avec question grief administratif qu'elle condamné et Magali habitant qui a arrangé pour retourner dans trésor et public là encore une autre fois à travers et SMCRS.
li avance yon somme. Li ta fait quoi que Magali habitant te blanchi Blaise Peterson pendant li te nan institution. Li parle de yon affaire de 38 milliards. OK? 38 milliards. 8 879 776 071 goud que Magali habitant te arrangel qui te disparaît pendant t'a géré institution si là. Li mandé Pierre Espérance pour parler dans correspondance à travers RNDDH. Yo adressé avec commissaire gouvernement Lionel Gaston, Lionel Constant, pour yon mande avec doyen tribunal là, vous voulez parler de Bernard Saint-Ville, pour yon arranger yon, pour yon reprendre le dossier si là, qui va permettre Magali habitant restituer 38 milliards et 879 776 071 goud qui te disparaître et pendant Magali habitant t'a géré SMGRS Blaise Peterson. Amnesty International, parler avec République Dominicaine. Blaise Peterson, yo parle avec Luis Abinadel pour yo bay respect avec droit haïtien yo kap vive en République Dominicaine. Nan façon que yo a traité compatriotes nou ki en République Dominicaine, et bien Amnesty International foue bouche nan cause ya. Sa ki gen pou wè avec processus nan conseil électoral provisoire qui concerne mesdames yo Blaise Peterson, yo recommencé avec processus nomination nan conseil électoral provisoire, yo rele KEP, secteur organisation famille, résultat processus juillet à août 2024, eh bien Marie Rebecca Guillaume et qui Angel à travers comité organisateur Kaifam et dans fondation Toya et qui Krifam Haïti Sofa yo entendre pour au moins que cap vraiment bre bagala permettre que mesdames yo ont pi bon représentation dans ça qui pour avec conseil et électoral provisoire. Enquête ILCC yo tendez dans date qui était 27 d'août la Blaise Peterson. Yon après l'autre trois conseillers qui impliqué dans scandale corruption BNC. En plus question à poser. Qui ça fait? C'est pas ILCC, non quand on dans des messieurs. C'est messieurs qui portent tête yo dans ILCC. En pile mon a posé cette question. Qui les volant te loyal comme ça? En pile dans nèg yo a essayé jouer avec ça que ou cap gain comme influence sous enquêteur parce que ouais les ILCC sorti rapport yo arrêté moun yo et bien à travers la justice yo fermé levé y a les habeas corpus pour qu'a mettre moun yo dehors. Est-ce que c'est ça que conseiller a choisi faire pendant CARICOM li continuer à demander avec parti qui voyait trois conseillers présidentiels ça dans conseil présidentiel transition pour écarter des processus là les personnes parce que dit situation très difficile et je dis c'est pas pour ça que monsieur est venu. C'est pour te changer condition. La vie peuple haïtien qui était très difficile, là on est venu te dire capable. Et ben gen gros sam qui croit pas des preuves pour acquiser trois conseillers présidentiels yo dans scandale BNCA, dit c'est une fabrication politique pour trois conseillers présidentiels yo, m'a parlé des responsables et gros sam non, on veut parler des contendants et qui croit c'est yon et coup d'état classique qu'a planifié pour craser conseil présidentiel transition. Il y a quelques haïtiens qui tout partout qu'a dit si coulève et cette tête de queue t'a arrivé craser, il pas en mal parce que jusqu'à présent c'est trésor public là, il a dilapidé et prend plus policiers possible pour barre sécurité pour la population, pas de sécurité Blaise Peterson. Deuxièmement, c'est que ensemble de points ça important qu'on analyse là dans l'émission ça aujourd'hui et dans question conseil électoral provisoire là, c'est que c'est vendredi week-end ça là que gouvernement mettait avec un conseil présidentiel Tadgui rendre public non ensemble et représentant différents secteurs qui va faire partie conseil électoral provisoire là qui Tadgui pour organiser élection et on dit d'ici année prochaine peut-être pas connait si c'est mois juillet si c'est mois d'août pas connait ça là hein, mais moi certain que c'est dans période ça que élection organisé et bien que PM Gary Kouni raconté pendant ce maintenant avec ambassade américain en Haïti à Dennis Hankins et était l'autre responsable dans la question élection qu'elle était chita ensemble avec eux pour garder comment que yo pral rivé établi de disposition pour organiser élection mais pas oublier n'a dit clairement que pas qu'à gagner élection dans pays ça c'est pas de sécurité ou attendez moi je vais la filer les épaules ou élection l'attend et bien pas qu'à gagner élection dans pays ça c'est pas de sécurité. Quel que soit forme à garçon qui a fait les épaules là, qui a fait les et manchettes collines là pour aller dans l'élection, eh bien, depuis pas de sécurité, pas de élection, et dans ce sens, ça, et tout secteur, tout acteur, tout doué engagé pour que yo capable de permettre que yo rétabli sécurité dans le pays. Yo doit dégager comme Jean-Jacques et prendre toute disposition pour yo arriver rétablir sécurité. L'ordre, sécurité, la paix en notre pays. Et c'est une obligation pour rétablir l'ordre, sécurité, la paix en notre pays.
et tout secteur, tout groupe coréen, c'est coller les épaules pour que l'élection et sécurité capable de tabler dans le pays. Et si nous ne sommes pas d'accord et ne pas prendre ça en termes de charge, en termes de responsabilité, jusqu'à présent, nous ne comprenons que pas de volonté. Mais tout secteur, tout acteur, tout monde, tout individu, tout particulier, qui voulait que, pour, qui dit que, yo même yo besoin l'élection, mais faut gagner sécurité. Désir, nous allons venir avec PM Guy Koning et dans visite ça qu'il fait, nous visiter trois policiers SWAT qui yo même étaient recevoir balle dans quatre opérations que t'as mené en dedans et bel air solide de l'autre côté encore, même pas nous mentir désir, PM n'a dit en pile causé. PM Guy Koning dit en pile causé et m'a invité mon entendre ça PM n'a dit. Et bon venir avec on l'autre parce que ça déclaration ça qualité extrêmement la patron chita bam garder entre temps désir on venir avec causer ça que comportement moun nan quartier Bel Air gagne très bien blessé personne je veux dire nan ensemble quartier côté qui gagne gang yo en pile fois nous d'accord que monsieur qui gagne zam illégal nan men yo qui constitue caïd criminel yo dans la région métropolitaine nan, ou bien dans quelque soit côté oui. Vous êtes servi avec la population, vous faites un service comme bouclier humain. Après tout crime qu'il y a fait, dans la communauté, vous êtes servi avec Mounsaï. Pour le cap dit que la police vient faire massacre dans la zone. Mais comme il y a, vous avez des officiers, des militaires, vous avez des policiers qui sont dans une unité spécialisée, qui déployent des lèvres dans l'opération, pour vous avez des membres dans la population, femmes ou garçons. Si moun tan kou grand moun k'ap lanse coup de bouteille, k'ap lanse coup de roche, k'ap lanse cocktail molotov sou yo. Mdou fòm, kou ti moun piti, kou gason k'ap lanse bouteille, roche, cocktail molotov sou policier yo nan kad opération ki yo tal mené. Ça veut dire sonje dans village de Dieu. Les policiers yo tenan ça, les ont tenan situation difficile là. Yo te di ou que policier, yo te di que population te envahi. C'est ça cause que les policiers qui ont perdu la vie dans le village de Dieu dans quatre opérations. Est-ce que nous sommes d'accord? Population gang qui dans quartier, pour d'ailleurs, nous avons barbecue. Ok? Te présenté, te dit, vive ensemble, que peuple dans quartier populaire. Est-ce que l'organisation qui a défendu le droit de l'homme, la presse traditionnelle, presse en ligne, je dis, je crois que nous avons une responsabilité dans le combat qui est si difficile que les policiers. Que militaires, que officiers qui dans mission a fait en Haïti là, dans cas guerrier urbain qui a fait là, il besoin que nous garder en l'autre gens. Parce que la majorité moun yo qui dans quartier, surtout Bel Air, dans ça que officier ça, dans ça que militaire ça partagé, dans ça que policier ça yo, dit à nous, eh bien pas gagne innocent Bel Air. Si moun dans population cap arrangé yo, ou y a tiré coup bouteille, tiré coup de roche sous la police, yo tout dit yo tout fait choix, oui. Yo tout dit mais qui côté oui. Parce que je dis Normil Rambo mandé mariage police à population mais police a pas cap prendre pas de bagarre hein? non mais population c'est vrai après que la police a demandé pour population rester tête froide pour rester calme parce que opération qui a fait c'est des professionnels qui a pas dit je vais faire massacre mais est-ce que vous pensez yon nèg qui passe à académie yon militaire qui prend formation en dans pays à coup dehors pays a il pral rester pour ouais membre dans population a tirer coup de roche sur lui a tiré cocktail monotone sous blindé et que ou la dans pour mener opération on garantit une situation qui est très difficile c'est pour ça qu'elle attire attention organisation qui défend droit moun yo nous attire attention confrères les médias peut-être qui pas des nouvelles ça pour yo parler avec population Bel Air. Oui, parce que et pas seulement Bel Air. Tout côté qui gagne les gueux foyer de gang yo que yo connaît qui à n'importe moment que et yo capable mener des opérations dans zone ça parce que comme c'est Bel Air qui a qui dans actualité n'a pas de Bel Air mais c'est un peu l'autre côté que qui gagne foyer de gang yo que bandi yo fond dans population et bandi yo aussi au contrôle population. Bon, moi même pense action ça les personnes n'est pas une question de contrôle population, c'est pas bandi yo qui dit population même pour y aller tirer bouteille. Attendez. La police vient mener opération. Moun l'a affronté, c'est des moun qui gen zam nan men yo. Nous avons dit que force yo proportionnel. Parce que si la police a utilisé fusil M14 ou bien M4 ou bien M1, bandi yo a utilisé fusil sa auto pour tirer sur la police. Ou même qui dit ou trouve une situation difficile, c'est qui to pa ka quitter zone nan
C'est l'autre côté pas gain pour aller qu'il faut arrêter pour la police a faire opération pour yo remarquer ou parmi monde qui a tiré coup de bouteille, qui a tiré coup de roche sur la police. Ou tout dit automatiquement, ou fait partie foyer réseau criminel là. Je dis c'est pour tout dans tout quartier côté qui gain gang yo. Si monde qui dit dans population, il a fait partie gang là, yo dans gang là pour afficher yo pour la police connaît qui position qu'elle doit gagner. Pour l'armée d'Haïti connaît qui comportement qu'elle doit gagner. Et je dis ya ministre justice et sécurité publique là. Il était important pour te bailler un ultimatum pour tout le monde qui va gagner rien pour avec gang yo quitter espace gang yo. Laisse aller la police aller. Tout le monde qu'elle croise, là va connaître que c'est gang yo et sécurité en rébellion parce que yo doit obtempérer avec la justice. Yo doit obtempérer avec l'ordre que la police bail. Depuis yo pas fait la situation, yo pratiquement pas gagner de choix. Yo cap blessé mortellement, yo cap maîtrisé arrêté par la police la situation. Désir, ça que m'apprendre que collaborateur donc Nadia partager avec nous pour journée et qui c'est mercredi 28 août là, n'apprendre que la police force de l'ordre continue à mener des opérations en dedans Bel Air dans bas Delma. Dans zone Delma 18 corridor Bastia. Zone ça, la police, l'armée, officier kenyan yo pour après-midi qui était après-midi qui était mercredi 28 août 2024 là, zami interne k'ap gade émission ça dans moment quelque soit cotoyen, mais pour après-midi mercredi 28 août 2024 là, la police force de l'ordre continue à mener des opérations dans fief gang yo dans Badelma, Delma 18 des corridor Bastia dans Bel Air. Ça veut dire force de l'ordre mobilisé pour capable contrecarrer action gang. Et moun dans quartier Solino qui nous connaît qui pas suspend victime de action malhonnête en bas mes groupe gang Kempes dans Bel Air qui mettait avec groupe gang barbecue qui toujours fait de assaut sur moun dans Solino. Mais moun dans Solino selon ça que nous apprendre yo camper avec policiers yo camper avec force de l'ordre pour yo ba ou bourade pour aider yo dans bataille dans goumen affaire parce que pas oublier moun Solino toujours dit yo pas quitter bandi vinn prend Solino. Yo pa quitter ni Kempes ni barbecue salien vinn prend Solino parce que yo di yo pa gen l'autre côté pour aller, c'est là où gen pour rester qui donc y a goumen du bec et des ongles avec la police mette bon côté la police pour combattre bandi armé yo. Donc je dis hein, est-ce que ça que PED Jérémon ami te dit hein, que ni mandé et pas seulement mandé hein, et que PM ga reconnu mandé hein, qui c'est mariage police population, est-ce que moun Solino comprend ni, est-ce que commencer rentrer là-dedans, est-ce que dans l'autre zone qui côté que moun yo pas accepté pour que yo fond dans mitan bandi yo, est-ce que pral tendez appel ça qui c'est mariage police population, parce que m'dou jodi ça désir ici hein, bandi yo pas gain état d'âme, bandi pas gain état d'âme, bandi pas gain maman, pas gain papa, pas gain si, pas gain ça bandi bagé ça lek ouais les bagages la compliqué pour lui premier moun la manger ou même la manger bon ce barbecue te dit nan moment ou te dit les desaline t'a goumé c'était nek tête green qui t'a attaqué desaline c'est pour ça qu'il t'a attaqué tout le monde. Question qu'on pose, est-ce que dans l'autre zone qui gagne gang yo, est-ce que population paré m'a dit oui dans département de l'Antibonite 14 d'août population prend la rue pour aller chercher la police, 28 d'août yo prend la rue et pour y aller chercher la police. Non, et commissariat Toussaint Louverture dans ville Gonaïve pour dire au paré pour mener opération contre gang yo qui achète département l'argent comptant et exiger recommandement la police hein, yo exiger gouvernement pour penser avec question insécurité qui gagne dans département de l'Antibonite parce que loi garde département de l'Ouest. Li vini premier par rapport avec pour quantité gang qui gagne quel gagne la donne. Mais si vous regardez département de l'Antibonite, li vini en deuxième par rapport avec quantité gang et si vous regardez en termes de superficie en terre département de l'Antibonite déjà plus gros que département de l'Ouest. Soit regardez en termes de quantité de monde qui vivent dans département de l'Antibonite, il vient tout de suite avec département de l'Ouest. Il y a une nécessité pour autorité agir et population dans département de l'Antibonite de cette zone libérer pour accompagner la police dans tout niveau, dans toute dimension pour craser gagner dans niveau département. Malheureusement, autorité on a plus au niveau semblait pour gagner département de l'Antibonite dans plan yo et population pas qu'attend encore de cette zone. On vient avec PM Gaïkouni. Vous avez la parole. D'abord, merci beaucoup, messieurs, dames de la presse, qui nous viennent là jeudi. Nous venons là parce que probablement nous constatons depuis hier matin avec DG la police là. Très bien. Probablement que nous constatons depuis hier matin, la police avec l'armée, supportée par mission internationale là, commençait l'opération dans la ville là.
m'a fait un pile commentaire sur l'opération, parce que l'opération est en cours. Mais ce que nous constatons, c'est que comme promis, nous commençons à avancer sur la question de sécurité. Caille par caille, quartier par quartier. Je dis à Mbin là, parce que Mbin, nous, en cas d'opération, nous avons 3 policiers blessés avec 2 civils. Bonne nouvelle là, c'est que messieurs, bien pris en charge, m'bala tous les 5, yo tout en pile courage. Histoire d'aimer nous rapporter là, je dis que il y a plusieurs là qui prend balle déjà l'opération, yo fin prend balle, yo guéri et puis yo retourné vinn goumen pour nous pour sécurité pam pour sécurité pa nous. C'est un niveau d'héroïsme extraordinaire et tout dim que c'est tant y a tenu sur tout cabane là pour retourner la bataille. Donc ce sont des jeunes engagés mais qui comprennent situation paré pour yo bay vie et moi me saute là vraiment inspiré et m'daimer nous aider me dit population haïtienne. Sacrifice y a fait. Nous-mêmes, l'État, responsabilité nous, c'est pour nous accompagner les policiers qui prennent responsabilité pour nous. C'est pour ça que je dis à ma discussion déjà avec le ministre Finance là, pour que ça ne va le faire pour question prime de risque, ça ne va le faire pour question assurance pour eux, ça ne va le faire pour nous supporter les familles ou les blessés comme ça ou bien les mourir. Mais, je profite de la population, je suis fatigué de voir les policiers qui prennent balle. Je suis fatigué de l'enterrement des policiers parce que c'est une question de sécurité. Il faut nous résoudre. Et résoudre, il faut prendre temps. Il faut prendre patience. Il faut être rapide. Mais nous ne pouvons pas faire back. Nous ne pouvons pas faire back. La demande d'engagement de toute société. La demande de solidarité communautaire. La demande pour le peuple haïtien jouer un rôle. La situation de sécurité, ça l'affecte nous dans la capitale, mais l'affecte tout le pays. Faut nous tous nous prendre au sérieux. C'est engagement ça que m'gain pour nous. Premier engagement c'est pour me supporter police mayo cap goumen pour nous dans des circonstances très difficiles et deuxièmement c'est pour nous assurer nous que communauté a tout li ka jouer rôle li et que moi m'a aider le jouer rôle. Donc c'est ça me devine dit nous aujourd'hui. M'a bien plus pour nous avant faire semaine là. M'a discuter avec l'autre membre d'état pour nous prendre des mesures concrètes pour nous accompagner police là pour nous aider le faire travail. Dans les prochains jours on a demandé population à être vigilant. Restez calme, c'est pour ça que nous avons déclaré l'état d'urgence. Nous avons demandé de coopérer avec la police, l'armée et la mission internationale de la caverne. Nous avons demandé de leur information, c'est pour prendre courage, pour partager avec nous. Nous avons demandé de leur avoir un danger pour la police. C'est pour être capable de dire nous avons un danger sous la police, pour la police ne pas venir à terre. Nous avons demandé de leur continuer à faire une confiance parce que nous n'avons pas avancé et nous n'avons pas fait back. Nous voulons nous comme ça, nous disons ça déjà, film ça n'a aucun genre fini. Autre que nous reprenons territoire, nous reprenons possession du pays nous, et nous reprenons destinée. Nous.